Se dessiner en trois grands points et je suis certain que quelque part vous allez vous retrouver dans ce programme. Alors avant de continuer, je vais demander à Camille, ma co-animatrice, de nous dire c'est quoi. Oui, trois grands points comme vous dites. D'abord, on va faire un récapitulatif de 2018 parce qu'on sait très bien ça a été vraiment une grosse année. On connaît The One, hein? The One, partout où il y a de l'action, il est là. Donc, il s'est passé beaucoup de choses en 2018. On va aussi avoir un mot de notre président d'honneur. Et puis, par la suite, ça va être le moment d'échanger. Si vous avez des questions, des commentaires, vous êtes les bienvenus pour lever la main. Et puis, finalement, le dernier point, qui est très important, je pense, ça va être, on va vous inviter à un buffet, en fait, pour un petit casse-croûte, pour ensuite discuter, échanger. Donc, c'est vraiment des beaux échanges qui sont à venir. Donc, si vous avez soif, il y a déjà les... En fait, c'est vraiment symbolique aujourd'hui. C'était pour marquer symboliquement ce passage à un an de plus. Vous savez, traverser 365 jours avec une compagnie qu'on porte sur le dos, c'est pas toujours facile. Et je pense que la plupart d'entre vous, il y a des entrepreneurs, il y a des hommes d'affaires, il y a des artistes, et puis bref, la plupart d'entre vous n'ignorez sûrement pas qu'est-ce que Diaspo fait. Cependant, on voulait faire juste un petit bilan rapide comme ça avec des personnes qui sont importantes pour nous. Et avant de passer donc à ce bilan, j'aimerais saluer et inviter ici quelqu'un qui, au-delà des difficultés que nous rencontrons tous, autant vous que nous en affaires, à nous accompagner, nous accompagne et sûrement nous accompagnera très longtemps. Quand je l'ai approché au début, il a vu la vision et il m'a dit si c'est vraiment cette vision là, je t'accompagne et on va cheminer ensemble. Bon, moi j'avais cru que c'était juste des paroles en l'air, mais je peux vous dire que au début il me regardait à distance. Ensuite il est devenu comme juste un commanditaire tout simplement. Mais aujourd'hui symboliquement, il est notre président d'honneur et j'aimerais donc qu'on accueille le président, le consul du Togo, qui est en même temps un avocat très très téméraire et qui en même temps nous accompagne à travers toutes nos activités, autant dans le domaine financier que des conseils. S'il vous plaît, recevons ensemble Maître Harvey Stéphane. Ça me fait plaisir d'être ici, d'être chez nous ce soir. Puis ça me fait toujours plaisir d'accueillir Florent, son entreprise. Et je vois des gens là, dans la salle qui viennent là, souvent aux activités de Florent. Je pense que Florent a un certain public, si je comprends bien. Il m'avait parlé du projet à l'époque, je trouvais ça intéressant. Puis aussi, ce qui m'avait intéressé dans Florence, c'est que, compte tenu que je suis consul d'un pays africain, et juste une petite anecdote, quand j'avais été nommé consul, comme vous pouvez le voir, je suis un blanc. Ça fait que c'était ma nomination, mes compatriotes togolais ne me connaissaient pas encore. J'étais dans une soirée un peu comme ici, puis tout le monde demandait, disait, où est le consul? Est-ce que le consul va venir? Il ne s'attendait pas, pensait pas que c'est moi, mais je dis, c'est moi le consul. Ça fait que c'est une petite anecdote comme ça que je voulais vous conter. Mais tout ça pour dire que
C'est une entreprise qui grandit bien. Il faut remercier Florent et son équipe, là, Camille, l'épouse de Florent, les gens qui l'entourent, et je pense que tout à l'heure, Florent va le souligner. Mais je pense que c'est une entreprise qui mérite de prospérer. C'est une belle plateforme. Ben, voici, on fête le premier anniversaire. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à Florent le support que je pouvais donner dans la mesure du possible. Et des supports que je peux lui donner, c'est lui donner accès à ces lieux ici qui sont très propices à ce genre d'activité, notamment aussi, Florent, un accès pour le live à la grande salle de conférence. Et puis, je suis là pour vous aider, vous assister, puis avec mon cœur aussi, parce que surtout, je pense que c'est important que d'intégrer, puis à la base, vous êtes des Québécois, mais d'origine africaine souvent. Puis moi, ben ça, c'est quelque chose qui fait que je pense que la plateforme peut prendre de l'ampleur. Puis moi, je pense qu'on pourra avoir comme objectif de s'étendre à la communauté, aller chercher des nouveaux marchés, des alliances avec la Chambre de commerce ou d'autres entités font en sorte que la plateforme pourra prendre de l'ampleur au cours des prochaines années. Fait que c'est ça. Fait que je félicite Florent, je félicite l'équipe. Puis on fête les anniversaires. Puis je suis convaincu que dans un an, ça va avoir encore pris de l'ampleur, encore plus d'ampleur. Merci beaucoup. Je pense que non seulement en sa qualité de consul du Togo, mais en sa qualité d'humain, M. Harvey ici présent, il est ouvert. Il est toujours à l'écoute et je peux vous garantir qu'il n'y a jamais eu un moment où je lui ai posé un problème et qui n'a pas été résolu. C'est vrai que ça prend tout du temps. Je dois tout lui courir après pendant 5 mois pour résoudre un problème. Mais finalement, ça se résout toujours. Donc, je le remercie encore. Et personnellement, j'aimerais que vous m'aidiez à l'applaudir. Merci. Cette équipe, ou alors tout ceci ne pouvait pas être possible sans, comme vous ne l'ignorez pas, vous le savez très bien, vous êtes tous des entrepreneurs, tout ceci ne pouvait pas être possible sans une équipe solide. On peut être deux, on peut être trois, mais tant qu'on y croit et qu'on est une équipe, on avance vraiment. La majorité, beaucoup d'entre vous m'ont beaucoup soutenu, autant par les conseils, autant par un soutien physique ou matériel, et j'aimerais profiter de ce jour pour vous dire merci. Merci beaucoup. Et j'aimerais citer certains entrepreneurs qui sont là. Je vais citer Doina de Mondo Carnaval, que je salue. Je vais citer M. Boucher de la compagnie Saint. PBSoft. Donc, je vais citer Maître. Maître Diamou, avocat au barreau de Québec. Bref, je cite M. Jean-Marc, je vais citer Mme Suzanne Bédard aussi. Je vais citer. M. Éric Allègue, je vais citer Annie Kouetchou, que personne ici n'ignore. Je vais citer Mme Lisiane qui a monté le plan d'affaires sur lequel nous roulons aujourd'hui. Écoutez. Je n'oublierai pas mon frère derrière, là, monsieur le sapologue, Kevin. J'aimerais citer Kevin avec son entreprise, sa boutique de vestes et bien sûr d'habillement. Bref, écoutez, considérez-vous cité, même si je ne vous cite pas. Fait que maintenant, j'aimerais vous parler aussi de mon équipe avec qui je travaille. J'ai un webmaster qui n'est pas là, il s'appelle M. Hervé, Raphaël Fongan, un webmaster qui travaille très dur, un garçon très doué, et je lui rends hommage parce que c'est grâce à lui, j'avais ce projet, ça fait 5 ans, et quand il est arrivé juste dernièrement, que le projet a vraiment est parti. Et j'aimerais vraiment lui rendre hommage, il n'est pas là, mais je pense que juste à le dire, il va regarder la vidéo et il s'en rendra compte. Entre autres, j'aimerais aussi citer mon épouse qui m'accompagne au niveau des conseils, au niveau de toutes les infrastructures, aussi tout ce qui est organisation, les conseils stratégiques, organisation et tout, Adèle Tchatchoua.
Je veux citer aussi Camille qui nous a rejoint il y a juste quoi, 3 mois, et qui en 3 mois m'a vraiment challengé. Je peux vous dire qu'il y a eu... J'en ai rencontré des gens qui ont travaillé avec moi, mais une qui me challenge comme ça, là, ça m'a boosté, ça m'a permis d'aller au-delà de moi et d'aller vraiment traverser des barrières en peu de temps. Je veux aussi remercier... Bref, je vous remercie tout. Tu peux le dire, qui? Je voulais qu'on remercie aussi Michel qui est en arrière, Michel Yannou qui est conseiller stratégique aussi, qui travaille beaucoup dans l'ombre. Okay. Il y a aussi le photographe Alain Tocba qui n'est pas encore là. Et est-ce qu'on oublie quelqu'un que vous êtes en train de découvrir et qui vous entendrez parler de lui sûrement d'ici 3, 4, 5 ans, le temps qu'il finit ses cours. Un génie au niveau de l'informatique, un génie au niveau du montage vidéo, il est juste là, il est vidéaste, il est photographe, il est... Je pense que vous avez remarqué une fraîcheur nouvelle pour ceux qui nous suivent Diaspora Interaction, une nouvelle fraîcheur au niveau de notre plateforme, de notre média, et c'est grâce à lui, à chaque vidéo il me surprend, et franchement je peux dire que je remercie le Seigneur que la gloire lui revienne par rapport à tout cela. Je vais aussi citer mon cher Félix qui nous accompagne aussi. Donc, au-dessus de tout ceci, on a un conseiller hyper stratégique, malgré son retard, parce que j'avais donné mauvaise heure, que j'ai changé après. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on salue l'ancien directeur du SWAT et messieurs Babacar Biédouré, qui est là. C'est lui notre conseiller très stratégique. Merci. Je n'oublie pas mon ancienne équipe avec qui on a commencé, qu'on a créé et qu'on a mis tout sur place. J'aimerais citer la présidente de Miss Afrique qui s'en vient. Je vous rappelle que tous les dimanches maintenant, je vais faire un live qui s'appelle Québec Diaspora Live. Et à travers ce type de live, ce sera en deux temps. Premier temps, on va parler des événements et des actualités de Québec qui s'en viennent, des événements multiculturels. Et en deuxième temps, on va recevoir des invités pour discuter de quelque chose d'important. Et ce dimanche dernier, on a parlé du problème des immigrants au niveau de la boisson, de l'alcool au volant. On en a parlé. Et ce week-end, nous recevons toutes les candidats de Miss Afrique. On va parler de la femme et du mois de l'histoire des Noirs. Donc, quand vous avez du temps, à 15h, 16h, mettons entre 16h, connectez-vous sur Diaspora Interaction, sur Facebook, et vous allez pouvoir vivre notre live. Tout ceci étant, donc, j'ai Joe Kirby, s'il vous plaît. Joe Kirby aussi, elle nous a toujours accompagnés, et on va aussi l'accompagner. L'ancienne équipe, je les salue, et aussi la nouvelle équipe. Maintenant, Raphaël, je vais vous inviter. On a eu quelques problèmes de technique, comme vous avez remarqué. Je m'excuse grandement. Pour moi, à 17h30, ça devait être lancé, mais on a eu un petit problème technique. Fait que on va voir la vidéo, une vidéo rétrospective de ce que nous avons fait. C'est pas tout, mais c'est au moins 80% de ce que nous avons fait.
Diaspo Interaction. Qu'est-ce que c'est? C'est le média de la diversité. Et on voit tout le monde, ici à l'India et à la Webster, on dit aussi le vieux de la montagne. Je vous invite à liker, partager. La page Facebook de Diaspo Interaction. Restez le kérosène. Suivez la chaîne des chaînes. Regardez tous Diaspo Interaction. Ah, K-I-S-S-A-G-E-N-G.